Question à laquelle on ne peut répondre qu'avec l'esprit posé. De pire en pire, je souffle martyr et ma tête tic-toc. Je me suis demandé hip-hop, mais pourquoi partir? Car avant de juger, il faut comprendre. Avant de juger, il faut apprendre que ce que je m'apprête à vous dire va vous surprendre. J'ai fait la rencontre un jour, j'ai un griffe aventurier qui, omnibulé par le futur vie à l'étranger, oublie que peut-être un jour, sans bouée, seront menés à nager. Je les ai cuisinés à la suite, question sur question. Je voulais savoir quelles étaient leurs raisons. Les avis convergeaient, divergeaient. J'étais tellement épuisé de cette monotonie, puis je me suis dit, c'est bon, il faut une limite. L'un d'eux me disait, partir, car tout ce qu'il a appris, c'est que s'il restait ici, il allait mourir d'un job, si. Un autre me disait encore, partir, car lui aussi va être frère. Que le père parle pas la même langue, est-ce qu'il a déjà vu son frère? Après seulement 2 ans, le gars est devenu métisse, avec sa petite bombe. Ni sèche, ni fraîche, sa frère. En gros, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils cherchent mieux ailleurs. Convaincu, il faut même abstraction de la peur. Convaincu, nous ne savourons jamais comme des vaincus. Facile de juger quand on vit dans le confort. Mais pour eux, pour vivre, il n'y a pas d'autre ressort. Alors, le mot doit dénoncer. Va tôt, même si peut-être tu vas mourir sur un bateau. Tes idées comme ton corps tombe à l'eau. Ta famille, on va appeler pour dire Yako. Alors, ils m'ont demandé pourquoi rester. Ces hommes n'avaient plus d'espoir. Ils ne faisaient que se lamenter. En vrai, on ne pouvait pas compter leurs exploits. Mais quelle fierté quand, par contre, tu ne peux donner que 2000 fois à tes parents. Alors pourquoi rester? Rester parce qu'ici, il y a du potentiel à développer. Rester parce qu'il y a des ressources à exploiter. Pourquoi voulons-nous tous suivre cette bataille? Si nous ne sommes pas de taille, mettons-nous juste au travail. On est tous dans le même bain. Je sais, tu sais, nous savons que même ce qui est petit peut mousser. Alors, au lieu de fuir, aller chez les autres, je cherche plutôt à les dépasser. L'année passée, on parlait de TIC, je m'en rappelle. Il y en avait même un qui avait des tics. Il disait que les moustiques le piquent. Comment ça va, mon cher Lo? Hic. Ces éléments peuvent être utilisés à bon escient. Au lieu d'aller sur Internet, chercher les films, comment tuer son boss, apprendre à mettre du gloss, je ne sais pas moi, comment faire les gosses, on pourrait plutôt s'informer, se former ou même créer, en fait, d'endommager notre ignorance. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Quitte à vous de me suivre, de me zapper ou de marcher dans mes pas, c'est qu'un moi là. Je ne force pas. Alors, mettons donc une croix sur cette immigration triangulaire. Soyons ouverts, ne soyons pas bêtes. Car si nous ne faisons pas que nous aurons, c'est parce que nous sommes carrés dans la tête. J'ai failli oublier, attention. Je suis Asemio Brian Charles Daron. Fais une citation. Merci.